c'est un gros morceau. Donc, on a eu 10 jours de préparation qui étaient plutôt bons. Et on attend de voir une réaction à nouveau à la maison contre la meilleure équipe en France. De toute façon, nous, notre but, c'est de concentrer sur nous-mêmes et avoir une très bonne performance contre des joueurs exceptionnels qui peuvent faire la différence à tout moment. Donc, j'attends samedi pour une grosse, grosse ambiance de nos spectateurs. Ils parlent que de ça depuis le match de Lyon aussi. Ça s'annonce une belle journée. Honnêtement, je ne pouvais pas espérer mieux. Ça tombait bien dans mes petits papiers. J'avais tout préparé à l'avance. Quand je me suis blessé, j'ai regardé les dates qui correspondaient. Et cette date, elle est tombée comme une évidence. Ça tombait bien. Un peu avant les 6 mois pour la reprise et un derby à la maison. Franchement, c'est dur de rêver mieux. Hein. Ça représente beaucoup parce que tu sais que tu te bats pas que pour le club, que pour tes collègues sur le terrain. Tu te bats pour tous les supporters, ta famille, pour beaucoup de monde. Parce que tout le monde se bat pour ces matchs-là, c'est super important. Mais forcément, on a vu les matchs qu'ils ont pu faire pendant les doublons, où je crois qu'ils ont 4 victoires sur 5 rencontres. Donc, qu'ils soient internationaux ou pas, ils ont des joueurs de grande qualité dans toutes les lignes. Les postes sont triplés, voire quadruplés peut-être sur certains postes. Donc il y aura une très bonne équipe face à nous samedi, on le sait. On est prévenu de l'équipe qu'on va affronter samedi. Ouais. Et c'est pas pour rien qu'ils ont 11 points d'avance, je crois, au classement sur le second. Oui, on l'a vu contre Lyon. Hein. Le public nous a poussé pendant 80 minutes. Le stade, c'était un vrai chaudron. Et le public ici a une grande importance pour nous, pour l'équipe, dans la confiance, dans la motivation. Et je sais que samedi, ils répondront présents encore une fois avec le stade à guichet fermé. Donc j'ai pas besoin de leur rappeler l'importance du match, je sais qu'ils répondent en présent.